De retour pour jouer un mauvais tour, lol. C'est bon, c'est stable pour toi. La vidéo, le son est bon. Oui, parfait. Ah, nickel. Merci. Aïe! Non, ça se tente ça. Oh putain. Oh, loupé complètement. Ah, d'accord. Le type maîtrise pas du tout son vaisseau. C'est pitoyable. Ouais, bah ça se retente, ouais. Allez, on retente sur le dos MDR. Yes. Ah, pas du tout, hein. Ah, je le maîtrise pas du tout, ce vaisseau. Ah, merde, pourtant ça paraît facile. On dirait que tu peux pas et que les sécurités ah. Du vaisseau tentent de passer. Oui, voilà, oui. Malgré que tu vas vers le bas, le vaisseau descend pas. Ouais. T'as tout à fait raison, ouais. Bon, bah maintenant je le saurai, ouais. D'accord. Mais putain, elle est magnifique cette planète, j'hallucine quoi. Putain, c'est magnifique. Oh l'enculé. Oh pardon. Oh là là. Oh là là. S'il y avait de l'eau en bas là, je m'en mordrais les doigts. Bon, pourtant les couleurs sont pas folles, hein. Ah putain, si, il y a la Golden Hour. Oh, et un beau ciel noir, mais. Un peu chaud quand même. Putain. C'est magnifique. Je m'en mordrai les doigts parce que c'est une planète déjà découverte, quoi. Qu'est-ce que c'est beau, putain.
Bon, allez, casse-toi, ça. Donc, si je dis pas de conneries, je suis dans le système sur le chemin de l'XP. C'est ça, un système 2 étoiles. Je voulais aller à côté faire le business là des missions. Et ouais, je vais faire ça d'abord. Putain, ça me fait chier. Reste temps perdu quoi. J'aurais peut-être des missions explorateurs là-bas aussi. Sur la carte stellaire, je suis à l'extrême opposé, lol. T'es à l'extrême opposé. Ah ouais, comment t'arrives à voir ça? Tu te bases sur quel repère? Sur la carte en haut à gauche. Ouais, t'es sur Euclide, mais. Ah putain, il y a un repère. Oh là, mec, j'ai tellement honte. Toutes ces heures que j'ai, je découvre. Bon, enfin, il n'y a pas de honte à découvrir des choses. Hein. Oui, il y a un repère. Putain de merde, mec, j'avais jamais vu. C'est super. C'est super. Je suis trop content de que tu m'aies fait découvrir ça. Putain, génial, quoi. Bon, pas cool que tu sois à l'extrême. Ah putain, j'ai hâte de découvrir où je suis avec ma base. Ah mais je suis pas dans cette galaxie. Ah t'es à l'extrême opposé. Ah j'ai maté tes photos. Hein. C'est propre hein, tes bases. Bien symétrique et tout comme j'aime. Ça se voit qu'il y avait de l'amour. Ah merci égal. Ah puis t'avais mis des pièces cylindriques vitrées juste en dessous des salles d'agriculture là, c'était hyper stylé. Bon basique hein, mais c'était stylé quoi. C'est pas parce que c'est basique que tout le monde le fait avec goût quoi. Puis je dis ça sans offense, hein. Tu l'as compris à chaque fois. C'est surtout pour les panneaux solaires, qu'a fait plus logique. Ouais, carrément, ouais. Bien vu. Ah, t'es comme moi, c'est important que ça paraisse cohérent et logique, quoi. Le GG. Bon, après, je suis pas contre une petite fantaisie, si ça me permet de me satisfaire au niveau esthétique, mais ouais, faut que ça reste cohérent. Bon, vends-moi une mission. Oh bah non, oh là là, que des geeks. Bon, je vais faire ce qu'il y a à faire. Je check le personnel. Pas de voyageurs que je laisserai sur le carreau. Hé! Il est mignon le petit bibi! Enfin, je sais pas pourquoi je l'appelle le Bibi, mais il est mignon. Oh, je me suis fait popper dans la gueule. Dis donc, ça se fait pas, ça. Alors, est-ce qu'il serait pas un peu gris-bleu, celui-là? Où c'est la station? Bon, il est très classique, hein, mais il est mignon, je le prends quand même. J'ai pour objectif un jour de tout poster. Tous les fighters et... Bon, enfin, tous les vaisseaux que j'aurai rencontrés. Et il est sympa, hein. Il est comment, en vrai? Et bienvenue à toi, deuxième spectateur. Il est comment celui-ci? Ah non, ah si si oui voilà. Enfin, il reste dans les tons gris, un gris un peu beige quand même. C'est comme les Pokémon, il faut tous les capturer. Ouais bah ouais. Moi j'en capturerai peu mais. Mais ouais c'est clair qu'il y a ce côté-là dans le jeu-là. C'est bien sympa. Moi qui ai jamais joué à Pokémon, c'est un peu mon Pokémon. Du coup, faudrait que je mette des drapeaux comme toi sur ma base. Je vais y réfléchir, hein. Ça va faire son... Je crois que ça a fait son chemin dans ma tête déjà. Mon Cario, il a dit techno, il a dit c'est pas cher,
C'est pas cher et c'est utile. Voilà. Positron, ouais, non, j'en ai pas besoin. Et un hyper, j'en ai pas besoin non plus. Très bien. Est-ce que j'en ai à te vendre, par contre? Non, j'en ai pas à te vendre. Ouh, gros bébé. Mais la bande blanche et jaune, c'est non. Puis j'ai déjà trouvé mon bonheur ailleurs. Alors, dégueulasse. Hawkpool, caporal en plus, mais non. Et Ham le commerçant, Ham. Je viens de trouver une planète, l'Ouest bleu turquoise, le sable jaune, l'herbe violette. J'ai le seum lol. Alors t'as le seum parce que t'aimes pas le violet de manière générale ou parce que tu trouves que ça va pas avec le reste? Et du coup, question subsidiaire, est-ce que c'est le type de planète que tu cherches du coup? Ce qui semblerait cohérent. Pas la chlorophylle sévère. Pas vieux la loi. D'accord, ok. Ok, planète tempête. Alors. Ah, il y a une colonie pas loin. Bon, ça sera pas pour moi. Ouais. Cristaux tempête, j'en ai déjà en plus. Après, ça mange pas de pain. Faut pas que je fasse. Faut pas que je fasse comment on dit déjà? Celui qui boude son plaisir, je sais plus. C'est quoi l'expression? Du stock inutile. Non, tu sais, genre bouder son plaisir. Le type qui boude son plaisir, qui c'est qui m'attaque? C'est pas cool de m'attaquer. Oh putain! Mais c'est qu'il est flippant ce con. Aïe! Quoi? Ah ouais? Eh, dites donc. Oh putain! Ha! Alors? Hé! Hey. Aïe! Cours, astérisme! Ah mais j'ai courisme! Tu m'auras pas, vilain. Pourquoi je suis venu là? Ah bah oui. Ah donc c'est ici, tu vois. Le deuxième scanner, normalement. Ah bah non, même pas. Non, bah je suis sur zone, en fait. De ce genre d'objectif, j'ai plus qu'à scanner des minéraux, en fait. Donc c'est cool, c'est parti. J'ai connu mon petit python, mais je connais pas bien quand même. Ah, je suis pas sur zone. D'accord. Ou alors c'est considéré... Aïe, c'est considéré comme un végétal. Non, sacré Graal, tout ça, j'ai pas vu. J'en ai vu un, deux. J'en ai vu qu'un seul, dont je garde une quasiment que deux scènes en mémoire. Mais vraiment, j'étais tombé dessus par hasard en plus. Ça m'attirait pas. À tort, certainement. Oh, damn! Odem, c'est une réplique ou tu réagis au fait que j'ai jamais vu? Ah, toujours pas. Putain de merde. Je suis pas sur la bonne ou quoi? Bah si, pourtant. J'ai un vaisseau que tu devrais aimer. Oh, dis donc, tu connais mes goûts en vaisseau, toi?
Comment tu fais pour connaître mes goûts en vaisseau? Tu m'expliques? Putain, c'est pas le bon délire d'être sur cette planète hein, pour scanner. Pas cool. Ouais, casse-toi. Ouais, localisation indisponible. Mais pourtant, je suis sur zone. C'était un peu plus là-bas, je me rappelle. Un peu plus devant. Oh là là, je vais me faire croquer, moi. Allez. Hop là. Amusez-vous avec ça. Non, m'envoie pas la photo sur Messenger. S'il me plaît, je vais te dégoûter. Parce que je le prendrai pas. Non, faut pas faire ça. C'est pas bien. Vilain le Kerio, vilain. Putain, mais tu vas scanner les trucs. Ah, tu le gardes? Ah, si tu le gardes, ouais, vas-y, partage-le, ouais. Je suis curieux de savoir ce que t'as pris. Allez, scanne-moi les minéraux! Putain, mais c'est ouf ça! Qu'est-ce que tu veux de moi, le jeu? Putain, ça marche pas, hein. C'est ouf! Pourquoi ça marche pas? Oh, putain, pluie de météorites, hein. Diagramme planétaire, indication des serres sur un point d'intérêt. Putain, je vais en prendre plein la gueule en plus. Et mais il m'en veut le jeu. Oh là là, je suis dans une sacrée session là. Pas très cool. Aïe. Allez, scanne-moi ça là. Qu'est-ce qu'il faut que je scanne? Ah, je vais encore me faire croquer. Oh là là. Point d'impact. C'est envoyé. Cool. Alors attends, je me sors des griffes de. Je me sors. Quand tu seras safe. Ouais, merci. Pourquoi je galère là? C'est pas normal quoi. Aïe 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 aïe. Terrible, terrible. J'en ai plus beaucoup, c'est ça? Non, 51, mais je suis en train de les gaspiller là. Mais ah, 5 sur 10, d'accord. Putain, mais faut l'afficher ça, le jeu. T'es pas cool, hein. Ah non, ça c'est un végétal, ça. Putain. Ça, c'en est un. Ça, c'en est un autre. 6 sur 10. Ah, c'est cool, je me sens mieux là. Ça marche ou pas? Ça marche, non? Non, ça marche pas, ça. Ah, je suis safe, ouais, je regarderai ça un peu plus tard. Ah, la crevasse qui fait pas plaisir. Quoique. Quoique, quoique. Oui. Il faut que j'adopte un troisième compagnon. Faut que je photographie 10. J'ai fait éclore. Modifier génétique. Ok, donc. Il me reste plus qu'à photographier 10. Et adopter un troisième. Mais j'adopte rien qui me plaît. Hein. Donc à faire. Là, je devrais trouver mon bonheur. Dans une grotte. Il devrait y avoir des choses atypiques. Ça, c'est pas considéré comme un minéral, mais bon. Ouais, déjà, je me mets à l'abri un peu. Tiens, puis j'en chope un. Trop sympa, là, cette petite herbe de grotte, là. Oh là là. Trop mignon. C'est un peu comme si, tu vois, si je faisais une base ici, ça serait génial. Je ferais attention à pas tout casser, mais ça serait un enfer, par contre. À chaque fois que je terraformerai le sol ou que je poserai un élément, ça me casserait les lumières naturelles, je serais dégoûté quoi. Mais c'est trop beau quoi. T'imagines, regarde, tu fais un couloir vitré. Bon, je pars sur ça, c'est le truc basique, mais tu vois, vu que ça fait grotte, pas grotte, grotte, pas grotte, grotte, pas grotte, là tu fais du vitré,
Hop, là tu fais du ouvert. J'avoue, et le climat est pas adéquat. Ah oui, bon ça c'est autre chose, mais franchement regarde, t'as que des spots pour poser des trucs, t'en servir comme prétexte à mettre des luminaires ou... Enfin, putain... Oh, trop trippant. Oh, j'y vois rien là par contre. Ah bah ça. Oh putain, je vais me faire bouffer le cul. Vite, vite. Oh putain, il a l'air vénère, il est sur mon dos là. Les stalagmites, tite, voilà. J'avais pas chopé et j'ai pas compté, mais on doit pas être loin. Et voilà. Magnifique. Ça a validé les deux ou pas? Ah non, ça a pas validé les deux. Moi, je vais faire l'autre dans la foulée. Allez, casse ça. Putain, c'est trop beau, c'est trop mes couleurs. Bah attends, hop là. Je vais regarder ça vite. Si tu as des bulles quand tu terraformes. Genre au bout de 4 majors, ce que tu as terraformé a repris son apparence basique. Non, pas dans ces proportions-là, non. Alors j'ai fait attention. Hein. Je terraforme pas en profondeur. J'essaye d'utiliser des cavités préformées, tu vois. Et je terraforme pas... Elle est où la caméra? J'ai pas l'habitude encore. Voilà, je terraforme pas très bas par rapport au niveau supérieur, tu vois. Par exemple, si je suis à flanc de falaise ici, je vais faire à une ou deux hauteurs en dessous de porte, tu vois, t'imagines? Je vais pas très très loin dans la... Aplanir, mais des fois qu'à bug et qu'à reprendre sa forme. Ah bah alors aplanir, il paraît que c'est typiquement... Alors je l'avais lu, hein, à vérifier, mais c'était typiquement le genre de truc qui faisait bugger. Aplanir et extraire quoi. Bah en fait faut pas terraformer quoi. Moi j'ai pas vraiment eu ce problème. Dans l'idéal faut vraiment se servir de ce qui existe déjà quoi. Putain mais t'as rencontré quand même beaucoup des aspects du jeu déjà. T'es à combien d'heures là maintenant? Ah oui parce que tu me parlais de 40 heures mais tu dois être à beaucoup plus maintenant non? 40 heures, c'était quand t'étais arrivé sur le groupe. Oui. Oh. Le vaisseau. Le vaisseau. 50-60e heure. Oh oui. T'as fait 10 heures. Oh, t'as pas joué beaucoup hein, depuis que t'es arrivé sur le groupe. Tu profites bien de tes vacances quand même, c'est cool. Ou t'as fait d'autres trucs de geek, peut-être. Bon. Fais chier. Ouf, putain, je prends cher. Ah, c'est encore sur cette planète? Ou pas? Ouh, que c'est beau. Bah, je sors un peu quand même. Et Netflix aussi, j'avoue. Ah! C'est cool si t'arrives à diversifier, si t'as des trucs à faire en extérieur. Ou peut-être juste apprécier les balades. Tu fais partie de ces gens-là, si c'est pas indiscret, qui apprécient les balades classiques, quoi. Sans but précis. Si t'es de ce bois-là, t'as bien de la chance. Hein. Du tout, je suis toujours sur la route, donc j'en ai un peu marre du bitume. Ouais, tu pars pas en balade, tu fais des sorties à objectif précis, quoi. Pourquoi je suis à la station? Ah oui, bah oui, tiens, bah je vais rendre la mission. Ça évitera les bugs, on sait jamais. Sans déconner, ça m'a validé les deux. Ok. Ah bah justement, le sel de bromure, je crois bien que c'était une des icônes que j'avais repéré tout à l'heure quand je parlais de la dirt pour changer la couleur de l'animal. Une des couleurs que... Une des seules pauvres couleurs qui me plaisait dans tout le catalogue des couleurs qu'on pouvait appliquer. Je sors pour me balader. Dans le nord, il y a des beaux sites à voir. Et en cabrio, ça aide lol.
Ah oui, t'as une voiture que tu peux décapoter? Ou carrément La un couleur cabriolet? bronze. La couleur bronze. Pour le bestiau? Ouais, bah sur les images, on dirait les cookies, c'est pour moi. sur l'image, on dirait bien que c'est un mélange de gris et de couleur chaude, un brun rouge, un peu. Voilà. Il n'y a pas vraiment. Je sais pas s'il n'y a pas beaucoup de choix. Parce que j'ai carrément un graphique avec toutes les couleurs qui sont possibles en génétique sur les animaux. Et je dirais pas qu'il n'y a pas beaucoup de choix parce qu'il y a quand même beaucoup d'icônes différentes. Chaque icône, c'est une couleur, quoi. Il y en a peut-être bien une trentaine, va savoir. Et de ce que j'avais moi screené pour moi, pour m'en rappeler, il y en avait 2-3 quoi. Et encore, je me rappelle que j'étais pas pleinement satisfait. Donc cool mais pas top quoi. Est-ce que j'ai une mission explorateur du coup? Oui, putain. Ah bah en plus, bah on va retourner direct sur la planète d'où on vient. Ça, je te le dis de suite. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Non, j'en ai plus d'autres. Puis un extracteur. Tu es 8 sentinelles, non, c'est chaud. Bah, ça commence bien. Bah voilà, hein, j'avais dit que c'était le karma qui m'amenait là. Je sais pas encore trop pourquoi, mais en tout cas, ça m'a donné une mission explorateur. C'est déjà ça. Du coup, ça dégage. Ça aussi. Ça, j'en aurais. Non, oui, j'en avais crafté tellement. Putain. La ferrite pure qui dégage. Le câblage qui. Ah non, il n'y a plus de place dans le vaisseau. Et ça qui vaut 45 000. Et un tempête que j'ai récupéré, c'est vrai. Bah, je peux le stacker dans le vaisseau. Après tout. Si j'ai besoin d'argent plus tard. N'oublie pas ton petit passe V3. Ah bah si t'as ça, tu peux voir le scroll MDR. Ah oui, pardon. Même j'oublie pas lol. Ouais, moi j'ai oublié, il y a ma chérie qui m'a parlé en même temps que toi. J'avoue, je suis peut-être pas fait pour gérer tant de trucs à la fois, ouais. C'est possible. Hunter Hunter, ça va aller là. Mignon. Mignon, mignon. Tiens, je me mets un petit Jace pour le plaisir. T'es un homme, c'est normal. On peut pas faire plusieurs choses à la fois, C'est MDR. pas vrai, je me battrai toujours pour que l'inverse soit. Non, c'est faux. Alors il commence vaisseau. Eh bah oui bah c'est ta came, c'est un long nose. T'aimes les longues noses toi, ouais, il est abricot. Abricot, gris et un peu de rouge. Ah superbe. Ça ira bien avec les coloris que t'as J'avoue. choisis, ouais. T'avoues quoi? Non, c'est hyper cool parce qu'en plus j'avais constaté que t'avais mis tous tes exonefs. Je sais pas comment C'est on vrai. l'appelle. C'est ta cam, ouais. Ouais, c'est cool, ouais. Et oui, il est long Un nose, astérisque. ouais. Ouais. Ouais, t'avais mis tout. Je me suis fait la remarque que t'avais fait une alliance de gris et de rouge et de bleu. Que pour toi, t'avais gardé le gris et bleu. Et que pour tout ce qui était autour de toi, t'avais gardé gris et rouge, quoi. Donc c'est impeccable, quoi. C'est abricot, après. Enfin, là, on dirait que c'est abricot. Bah, il est bien cool. Bah, tu vois, c'est ce que je t'ai expliqué, c'est un vaisseau tier 3. Tu vois ce qu'il y a autour de ton cockpit, autour de ton du nez du Je viens de vaisseau. choper un autre exolol. Un exo, ah ouais, bah tu le revends direct. Tu vois ce que t'as autour de
le nez de ton vaisseau. Calme-toi. C'est typiquement un ascète de vaisseau tier 3. Les deux grosses branches qui entourent le nez de ton vaisseau. Et hier, je t'en parlais, je te disais que j'étais sur un système économie 2. Et j'étais pas censé rencontrer des vaisseaux avec cet ascète autour du cockpit principal, quoi. Donc c'est un long nose tier 3 avec le box thruster, une aile delta et les aftershocks. T'as des ailes aftershocks, c'est ça ou pas? Je me rappelle pas. Je sais même pas si ça t'intéresse vraiment de savoir ce genre de conneries. Moi j'adore ça. Possible, j'y connais rien, je sais qu'il est beau, c'est tout. Ok. Bon bah juste pour moi, je refais l'inventaire de tes assets. Donc on est d'accord, un long nose, tier 3. Avec, j'ai dit quoi, Shockwave? Bah c'est ça. Ou j'ai dit Aftershock. Oh. Avec la dorsale fine, je sais pas pourquoi l'aile delta moi. La dorsale fine et le Shockwave. Ouais. Aftershock. Aftershock. Non, Shockwave pour le coup. Moi j'ai dit Aftershock, ouais. Shockwave. Aftershock, c'est les mêmes, mais elles partent à l'horizontale, elles tombent pas vers le bas. Stylé, en vrai, stylé. Oui, allez. Merci. Hop là. Le son doit pas être trop fort là. Un petit 18, ça le fait. Je vais le garder. Non, je vais le vendre. Allez, je le vends. Bim, 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 bim. Ça faut que j'en refasse un peu. On est limité à combien de vaisseaux? Et alors, pour l'instant, 6. Le platine, ouais, je vais le vendre aussi. Protection sous-marine, ça me sert à rien, ça vaut que dalle en plus. Mais attends, mais je comprends pas que je puisse pas le vendre, ça c'est un truc de ouf quand même. Mon cerveau fatigué, il comprend pas ça depuis hier. Pourquoi je peux pas vendre les modules? C'est bizarre ça. Oups là. Alors attends, c'est un module de vaisseau, ouais. Bah voilà. Mais normalement, c'est un différencié en plus, ça. Donc, tu me confirmes, t'en veux pas. Putain, mais. Ok. C'est ouf. Toi non plus? Bombac, deux longues deux cargos et deux exolols. Deux longues noses, ouais, deux cargos, deux exos, ok. Comment ça, deux cargos? Ah, des cargos entre guillemets. Des transporteurs alors. Transporteurs ou. Je dis cargo pour ceux qui convoitent du fret. Ouais, c'est transporteurs, je crois. Transporteur ou navette? Bah oui, transporteur, oui, je pense. Transporteur, oui. Ouais, c'est ça. Et navette, c'est les mêmes que les transporteurs, mais version petite. Version light. Ouais, du coup, les transporteurs, l'intérieur du cockpit, j'adore, quoi. Avec les espèces de. Le maillage en plastique, là, sur le côté, ou comme tu veux. Tu sais, que tu peux imaginer que tu peux agrafer des notes, des machins. Un peu comme les vide-poches dans les camions et tout, quoi.
Bon, j'ai rendu l'émission à vérifier. C'est ça. Éliminer des créatures, ouais, j'en ai pris une autre, ok. Et ça, c'est bien. J'allais partir à pied. Oh merde. J'allais partir à pied. Ouais, mais fais voir ta gueule, toi. Oui, je m'en vais, mais fais voir ta gueule d'abord. Ouais, non, c'est bon. Ouais, non, puis ça, je les connais, les Ça va histoires. être dur dans l'espace, lol. Ouais. Alors, tu sais que c'est possible, ça, hein. Moi, d'ailleurs, j'ai une photo de moi. Genre, où je fais semblant, ou alors j'étais dessus. L'anecdote est plus très claire dans ma tête. Où je suis sur un rocher comme ça dans l'espace. En fait, j'ai chuté de mon cargo. Donc, t'as une chute libre incroyable. Avec perte de bouclier permanente. Donc, en fait, pour faire une photo, ça fait. C'est une mission impossible, quoi. Enfin, pas impossible, mais qui est chaude. Et j'ai réussi, quoi. À faire une belle photo. Avec un beau ciel comme ça, d'ailleurs. Où je suis debout sur le rocher. Donc en fait, vu que je suis debout, j'ai dû arrêter de chuter. Et après, tu chutes jusqu'à la planète en dessous, quoi. Alors pour le coup, moi, j'ai chuté sur une planète. Je sais pas si c'est possible de chuter à Vitam Aeternam. C'est un truc connu, hein, c'est arrivé à d'autres personnes. Il y a même des personnes à qui c'est arrivé de manière différente et encore plus incroyable, quoi. J'étais jaloux pour faire des photos. C'était quoi la planète d'où je venais? Certainement celle-là. La tauride, ouais, c'est logique. Pour tuer les bébêtes. Où je me fais agresser là. Du soleil, hein. Oui. Super. Ah, j'ai même pas les grenades. Bon, c'est pas grave. Oh putain là. Ouh loulou. Alors. Se poser là, pourquoi pas. Ah bah tiens. Salut. Ah putain, oui, je me fais sentinelle du coup. Ah, j'aurais dû activer la mission sentinelle. J'aurais fait du guet en même temps. Incroyable, il y avait juste un. Putain, il y avait juste un bestiau, quoi. C'est fou. Oui. Bonjour. Putain, je vais te donner des coups de crosse à toi. Tiens, comme dans Halo. Putain, ça a marché. Oh, je l'ai eu à coups de crosse.
J'espère que ça monte au moins. Localiser les créatures sur ce... Merde avec son diagramme. Ah, ça marche, ok. J'ai des constructions qui ont disparu dans ma base. C'est un bug de texture ou... D'après toi. J'ai des constructions qui ont disparu dans ma base. Mais mec, t'as eu tellement de soucis avec ta base. Enfin, tellement... Enfin, t'as eu des soucis avec ta base, quoi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'aimerais bien avoir la réponse, mais je l'ai pas la réponse. Un bug de texture? Oui, un bug de chargement du jeu, tu veux dire? Mais ça, pour le vérifier, non, c'est une nouvelle autre part. Ah, c'est une nouvelle autre part? T'as le multi qui est activé? Ouais, bah, est-ce que t'as le multi qui est activé? Si c'est le cas, tu le désactives. Et tu relances... Non? Oh. T'es sur quelle plateforme? Et est-ce que t'as eu ce genre de soucis de manière assez récurrente? Si c'est le cas, oui, ça peut venir de la plateforme, oui, de la console. PS4 et non. PS4 et non, d'accord. Mais c'est quand même possible parce que y a beaucoup de gens qui ont signalé des problèmes de crash, etc. Il y a eu 2 mises à jour en l'espace de 2 mois. Plus une nouvelle expédition, ça peut arriver. Moi j'ai eu des problèmes qui ont duré 6 mois, j'ai failli. Ma PS4 a failli crever. Je plaisante pas. NMS a failli me déglinguer ma console à cause de crash. Oui, c'est possible, bah, je te le souhaite. T'as pas reconstruit au même endroit. T'as pas fait cette erreur là. J'ai vu que t'avais 2 bâtiments à côté, donc. Non, du tout, ouais, d'accord. Ouais, t'as été courageux parce que j'imagine que ton spot tu l'aimais bien quoi. T'avais 2 bâtiments et comment ça s'appelle? Je suis parti à l'opposé de ma colonie. Ouais. Comment ça s'appelait le bâtiment qu'on voyait en... Tu sais, c'est le bâtiment où tu peux joindre les... Je suis désolé, j'ai pas les termes. C'est où tu peux parler avec Artemis, tout ça là. L'ordinateur. Non, tu sais, la grande tour qui fait très extraterrestre là, très Star Trek. Où tu peux parler avec Artemis. Apollon et tout ça. Le truc bizarre. Oui, tu vois, où il y a des escaliers et tout, c'est trop classe. Bah, je comprends que tu avais fait ta base ici. C'est cool d'avoir des bâtiments autour. C'est pas le cas, moi, sur la mienne. J'ai que dalle autour. Ah putain, j'ai jamais essayé de tirer sur des oiseaux. Oh, mais j'ai un nouveau flingue. Attends, mais... Ah mais mon lance-foudre il fait comme ça maintenant? Oh là là, mais je suis encore en train de... C'est ouf, le lance-foudre a été amélioré, oui. Putain... Je viens de relancer, on verra bien. 65 heures de jeu. Ouais. Pas mal, tu commences à monter. Oh, le lance-foudre est stylé maintenant. J'aimerais bien essayer ça du coup là, hein, la capsule de... Alors du coup t'as testé toutes les armes, t'avais dit que tu voulais changer là. Que t'allais au Nexus et que t'allais tester des trucs. Inventaire plein, oui bah j'espère bien oui. Le pompe c'est la vie. Le pompe c'est la vie, voilà tu vois, tu vois on est d'accord. Très très efficace oui. Mais t'as essayé les autres, les dernières qui ont été implémentées dans le jeu ou pas? Parce que moi non encore. Eh, adopter des compagnons, j'en... Ah oui, j'en ai adopté qu'un de plus que celui qu'on m'a donné. Oui, d'accord. Non, pas encore. Non, pas encore, ok. Découvrir des créatures sur un marécageux, oui. Voilà, oui. Genre combien? Découvrir des créatures sur 0 sur 1. Ok, une seule. Troisième point de rendez-vous. Pourquoi je suis là au fait? Ouais, les environnements, non? Non, non, c'était juste la mission du journal. Et il veut pas me la lâcher, hein, l'info. Putain, c'est ouf, quoi. Ça rentre en conflit avec l'XP.
Tiens, mais j'ai qu'à mettre un, je peux pas en valider une que j'ai déjà faite. Si je mets ça... Non, il met encore... C'était bien un but de chargement. Ouf, et comment qu'a ce fait que la PS4 a failli rendre la M? Eh ben, il y avait le jeu était tellement instable, ça crachait tellement tout le temps, qu'à un moment, ma PS4, au bout de genre 2 mois de bugs, de chargement qui la faisait souffrir terrible, etc. Il y a un jour, elle a crashé. Moi, j'étais habitué au crash, hein. Donc je savais qu'il fallait que j'attende, genre 10 minutes, écran blanc, puis écran je sais plus comment, puis ça rebootait, ça relançait. Mais là, ça a jamais bougé, quoi. Et ça a commencé à faire tac 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 avec le CD et tout. La console, elle commençait à faire des bruits et tout, machin. Ça a été un enfer. Et ça a été grandement résolu tout ça. Et moi, dans la foulée, après, je suis passé sur PS5. Donc j'ai toujours ma petite PS4, je suis bien content. Alors, le disque dur en a pris plein la tronche. Ouais, je sais pas ce qu'on a pris plein la tronche, je suis pas assez calé, mais c'est clair qu'elle a morflé, quoi. Mais je suis content alors si c'était juste un bug de chargement. Putain, c'est beau! C'est beau, c'est putain de beau. C'est putain de beau. Ah, c'est cool, ça a tout chargé. Mais tu le sais, il faut que tu... Alors, surtout que t'es sur PS4, faut que tu laisses respirer ton jeu, hein. Là, par exemple, là, comme je joue moi, normalement, c'est pas que tu devrais pas, mais c'est déconseillé, hein. Genre atterrir, je veux dire, en approche d'une planète, descendre à pic, hop, sortir du vaisseau, tout ça, ça devrait être interdit pour toi. Enfin, moi, mon expérience sur PS4, c'était ça. Mon expérience sur PS4, elle m'a obligé à puiser dans ma maturité, ma sagesse, etc. quoi. Toutes les valeurs que j'avais pour être patient. Voilà, moi j'atterrissais. Je laissais charger une première fois, d'ailleurs je le fais toujours sur PS5 par réflexe. Et d'ailleurs elle en a besoin un petit peu quand même. Ça m'a un peu déçu. Je m'attendais à bien mieux. Et bonsoir papa. La vilaine. J'espère que t'as été sage aujourd'hui. Oui. T'as été gentil avec tes petits camarades, j'espère. Hein. Alors un contenant nitrate et nano. Et j'ai pas vendu. Ah oui, ça c'est gratos. Hop. Hein? Oui. Et oui. Et combien? 10. T'es venu passer une tête avant d'aller faire dodo? Ah merde, je suis pas assis au bon endroit. Voilà, tranquillou. Hop. Ok. Il m'arrive que des malheurs ce soir. Ah mais c'est Sophie que je vais t'appeler. Mon chat s'est fait attaquer. Ah, Bounty, Bounty, je t'ai entendu en parler déjà sur le stream de Clem. Tu vas pas venir me raconter ça à moi maintenant ici. Tu vas pas oser faire ça. Tu vas pas faire l'enfant gâté. Sur le Discord, par contre, tu peux m'en parler autant que tu veux. J'aurai toute l'empathie et l'attention que tu voudrais. Ben voilà, et après y a eu une araignée. Tu me fais marrer quand même. C'est bien cool. Une araignée, elle t'a piqué à toi? Elle t'a attaqué?
Des chants dans la chambre de ma fille. Des chants dans la chambre. Oui, des araignées et des chants, oui. Normalement, elles vous attaquent pas, mais bon, c'est clair je que. Je vais désinguer mon chat. Il vient d'éteindre l'ordi. Ah. Et je suis arachnophobe. Ouais, je suis pas trop à l'aise non plus avec les araignées. De toute façon, de manière générale, je suis pas à l'aise avec un animal que si il faisait. Si on l'agrandissait à notre taille à nous, en fait, on se rendrait compte que le truc, c'est un char d'assaut, quoi. Et qu'il te dézingue en deux-deux, quoi. Moi, mon système de survie, il se met directement en marche, quoi. Il me dit non, c'est pas possible. Moi, je suis une petite laitue et le truc, c'est un monstre, quoi. Bon, bah, c'est bon, j'ai fait ce que j'avais à faire. Ah. Courage, Bounty, ça va bien se passer. Techno, il a dit. Cario. Et d'ailleurs, faut en profiter. Hein. Non, pas tout de suite. Donc, normalement, j'avais un délire comme quoi j'avais un S à mettre avec. Non? Ben non, ça va pas du tout. Ben non, ça va pas du tout. Ça va pas du tout parce que t'as pas réussi à les chasser encore ou quoi? Et non. Ah, si c'est un délire comme ça, oui, c'est pas rigolo, oui. Si t'as vu plusieurs araignées que t'arrives pas à les chasser et que tu sais qu'elles sont là et que tu dois dormir au même endroit, oui, je comprends, oui. C'est pas rigolo, oui. Je compatis. Ah ben si mon voisin est venu la tuer car trop grosse pour moi. Ah bah il devait être content ton voisin. Il est célibataire? Bah attends, mais t'as pas ton homme à la maison? Ton homme il s'est pas occupé de l'araignée? Il a aussi peur que toi? Alors il est pas là? Non, ça pourrait être mon père vraiment. Oui, non, mais ça n'empêche pas qu'il est content d'aider une demoiselle en détresse, quoi. J'ai pas d'homme chez moi. Ok, t'as pas d'homme chez toi. Eh ben, je peux te dire que ton voisin, même si c'est un grand-père, je connais pas une seule personne de type masculine qui est pas contente de venir en aide à une demoiselle en détresse. Je suis seule avec ma fille. Mais non, t'es pas seule avec ta fille, tu as aussi tes petites amies des champs. Donc tu vois, te sens pas seul. Elle me fait mal. Oh putain. Ah ben super, merci du soutien. Je t'en prie. Ok, c'est bon en fait. Ah non, c'est pas fini. Il m'en reste. Et bah ça tombe bien. Salut toi. C'est non. Ah si, c'est oui. Ah, Yamata. Stylé. Oh putain. Pas cool. J'ai pas vraiment testé de tirer sur les oiseaux. J'entends rien.
Ah, super. Ah, les fameux boucliers. Première fois que je les vois, Cario. D'accord, donc ils les mettent en place et ça les suit pas, ok. Non, mais il se cache derrière dès que tu tires dessus. D'accord. Non. Oui, si tu le fais direct, ouais. D'accord. Ils les refont popper et tout. Chope-se en triangle en premier. Oh putain, non. Non, je vais pas faire ça, Cario. Il me faudrait un bon multi, puis des grenades. Un bon stuff de bouclier. Ça pique un meuble. Ouais, ça pique, ouais. Non, je prends pas le risque. Ça me casserait mon délire d'avoir une mort dans l'XP. Oh putain, chaleur critique. Tendu. Pourquoi il y en a... Ah oui, d'accord. Oh, peu de carbone. Ça, j'en veux ça. Je vais me coucher. Bonne soirée, à plus. T'es fâché, Bounty? Tu boudes? Non, t'es caté. Ah bon, d'accord. Tu me rassures. Eh ben, je te souhaite une bonne nuit. Merci beaucoup d'être passé. C'est très gentil. Je suis vraiment pas bien. Ah, t'es vraiment pas bien? Bah... Ouais, mais je Elle chasse la grosse bébête l'eau. J'ai complètement craqué ce soir. Bah merde, oui, bah j'imagine que t'es vraiment pas bien. Alors si tu me le dis et que tout à l'heure sur le stream de Clem t'étais déjà en train d'en parler. Bah après moi tu sais, je vais te conseiller des trucs très basiques hein, qui font C'est rien, beaucoup. ça va passer. Oui, bah moi je peux te conseiller des trucs très basiques qui font beaucoup de bien et qui t'aident à t'apaiser, mais tant que t'auras pas envie de te reprendre, tu seras stressé hein, en fait. Hein. Il faut se Sinon. dire que les petites bébêtes mangent pas les grosses. Non, pas du Elles tout, peuvent hein. pas toujours être au top. Non, mais elles ont pas envie de venir sur toi, hein. Vraiment, c'est le dernier truc. Moi, j'en ai plein dans la baraque, comme je te dis, c'est pas un truc que j'aime non plus. Elles ont absolument pas envie de venir sur toi, hein. Rien du tout, hein. Mais bon, je sais que c'est chiant pour les faire sortir, quoi. Bon, tu veux quand même mes petits conseils pour te calmer? Ou tu vas faire tes bails à toi et ça va passer tout seul. Non, je sais bien. Mais quand tu as une phobie, ça se contrôle Oui, pas. je sais, je sais. C'est toujours le même discours avec les gens phobiques, oui. Allez, je t'écoute. Eh ben alors, tu peux très bien aller prendre une bonne douche chaude déjà. Hein, pratiquer l'automassage, ça fait beaucoup de bien, ça fait partir toute la nervosité. Et même sans aller jusqu'à ça, tu peux très bien te prendre une petite crème, te la passer sur la nuque et te masser les épaules et la nuque. Ça va beaucoup t'apaiser, te concentrer sur ta respiration. Mais bon, tout ça, c'est des trucs que je passe mon temps à répéter à des gens qui disent qu'ils se sentent pas bien, et puis ils le font pas, et puis ils se sentent jamais bien. Mais en fait, si on prend pas soin de soi. Et généralement, tu te rends compte que ces gens, en fait, non. Et je parle pas pour toi, ils ont juste envie de dire qu'ils sont pas bien, etc. Ils ont la flemme de s'occuper d'eux, quoi. Mais là, Donc tu te j'allais prends. me mettre au lit et faire un Ouais. peu de méditation. Ouais, mais je suis sûr que t'as une petite crème Ça m'apaise avec beaucoup. une odeur sympathique. Petite crème qui sent bon, là. Ah. Tiens, regarde, je le fais avec toi. Moi aussi, je suis tout le temps stressé. Le Avec plexus. une musique ou Ouais. Zelda visage Ah bah super alors vexant. voilà. Bah voilà. Bah tu vois, dès que tu parles de Zelda, regarde la belle musique que je t'ai mise moi.
Écoute ça. C'est pas beau ça? Allez, passe-toi ta petite crème qui sent bon. Oui, j'aime bien ce genre-là, c'est très apaisant. Bah oui, c'est doux. T'écartes bien les épaules. Et tu respires, tu libères. Une grande inspiration par le nez, très très longue, ça fait beaucoup de bien. Tu te détaches des écrans pendant une petite heure avant de dormir. Voilà, et puis t'hésites pas, les petits automassages. Tu te focalises sur une idée qui te plaît, et puis voilà. Et puis demain, t'ouvres toute la maison. Hein? Tu jettes un peu du sel dans les coins. Oui, parce que ça, c'est une activité qui va te rassurer, tu vois. Si t'as peur de chasser tes petites araignées comme ça, tout bêtement, tu te prends du gros sel, tu te dis que, ouais, je vais purifier ma maison. Les cartomanciennes, les médiums, tout ça, les ostéopathes, il faut mettre du sel dans le quatre coins de la maison, ça protège et tout. Donc tu te dis que tu te lances dans cette activité, puis voilà, comme ça tu regardes s'il y a des araignées. Et puis quitte à tomber sur une, tu lui jettes une bonne poignée de sel dans la gueule, tu vas voir. Elle va se figer dans un coin, comme ça. Tu prends ton aspirateur. Tu gardes juste le tuyau arrondi, circulaire, là. Tu les aspires. Elles seront toutes dans le sac. T'as plus qu'à prendre le sac et hop, à la poubelle. Je sais, c'est pas très... C'est pas un truc que je pratique, mais... Ça peut aider certaines personnes. En l'occurrence, t'as l'air d'avoir besoin d'aide. Je vais surtout leur balancer de la bombe visage sur moi avec une pince. Ah putain, horrible. D'accord. Bon allez, je rebaisse parce que... Mais l'agent est plus. Bah tu vois, donc tu vas devoir pratiquer l'aspirateur. Meilleure technique de Fossard. Donc allô voisin. Allô voisin, c'est pas mal, ouais. L'unité, elle cherche pas, elle y va au lance-flamme. Ouais, elle a l'air d'avoir du caractère, ouais. De pas se laisser emmerder. Allez, go la station. Ben oui, un caractère fort, c'est bien, mais quand ça va pas, c'est une cata. Merci en tout cas. Bah je t'en prie. Ça va déjà un peu mieux. Ah bah écoute, ça me fait plaisir. Mets-toi une petite musique que t'aimes. Si t'as un encens, tu mets un encens dans la maison. Ça va libérer tes sens. Une petite bougie parfumée au pire. Ou si t'as... Moi j'ai une petite fiole de jasmin avec un extrait de jasmin dedans. Quand je suis trop plein de clopes et de café, je me mets ça de temps en temps dans la chambre. C'est frais, c'est pas frais, c'est profond comme odeur. Ça enivre. Ça fait du bien. Moi, je rends ma mission. Je te souhaite une bonne nuit, Bounty. Merci, bonne soirée, à bientôt, visage faisant un clin d'œil. Il. A plus, arrobase curio 62. Oui, il a été sage. Il t'a rien dit. Ah, j'en ai.
Ah, elle me fatigue cette femme. À plus. Ben moi je l'aime bien cette femme, elle m'apaise. Elle parle mal. Ah ben c'est reparti. C'est un peu redondant mais c'est efficace. Oh que c'est beau. J'ai dit gentiment à plus. Et elle me dit sur un ton agressif. Elle est un peu sèche. C'est pas une fille facile, c'est pour ça. Elle est pas du genre. Souriant avec une ça marche. C'est reparti pour les bébêtes. Ah, oh, lâche-moi la sentinelle. En plus, faudrait que je sois de jour. De jour, il y aurait tellement plus de bébêtes. Je serais pas obligé de me farcir les prédateurs. Ah, la musique est bien. C'est adapté. Je tente les oiseaux, pas que ça m'amuse, mais... Ça marche ou pas? J'ai pas l'impression. Ça va pas marcher. Alors par contre, toi, tu vas passer à la casserole. Désolé. C'est tout le temps toi qui prends. Oh merde. Hop là. Bon allez, je file aussi. Bonne soirée, bon live et bon courage avec les sentinelles lol. Ça marche, merci beaucoup d'être passé, Cario. Et demain s'il y a un live. Ben j'y compte bien. Ça dépendra de mon énergie. Je te raconte pas comme je me suis surmotivé pour streamer ce soir. Mais j'avais vraiment envie de m'y tenir et de profiter du fait que tu serais probablement là aussi. Il y avait un peu de ça. Il y avait un peu de plein de choses. Et finalement je suis bien content que tu sois passé et que la session ait plutôt été sympa. Malgré que je sois naze. Donc très probablement à demain.
Et si tu veux savoir, à peu près dans les mêmes heures, vers 6 heures, quoi. Ciao mec. Ah putain. C'est pas cool ce que tu fais toi. Et après, si je suis pas là, il faut pas hésiter à m'envoyer un MP sur Messenger, car des fois je reçois pas les notifs. D'accord, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Ça marche.
Les piments, je vais les garder pour le gâteau, les piments. Zéro place. J'ai tellement de merde ici. Allez, ça dégage. Le lait sauvage, ça je vais m'en faire un stock. Opinium la mordite, ça faut que je le dégage aussi. Les 5000, j'en aurai jamais besoin, ça dégage. Bon, ça je garde, on sait jamais. Tiens, ça c'est de la bouffe, ça va là. Ça va avec ces conneries. Le verre, j'en avais besoin au bout d'un moment. Le phosphore, je sais pas pourquoi j'en ai. Ouais, ça, faut que j'en refasse quelques-uns, j'ai pas assez. Pour en faire, il faut du carbone, de l'hydrogène plaquage. De l'hydrogène, je dois être pauvre. Putain. Ouais, c'est pas la folie. Plaquage. Ou alors j'en achète, c'est le mieux. Plutôt que je pille mes ressources. Acheter hein, c'est pas mal. 6 à 4, 10. Hop. Voilà, c'est ça. Et j'ai le S. Putain, ouais, j'atterris beaucoup. C'est ça qu'il faudrait que j'utilise ou que je balance. En vrai, je pourrais les balancer. En vrai, je pourrais les balancer. Gardez ça. Cartographie secrète. Je garde celle où j'en ai deux. Cartographie commerciale, ça dégage. Voilà, je garde ça et ça. L'œuf, tranquille. Et l'enveloppe, oui. Ça aussi, je veux le garder. Ça, c'est la bouffe. Voilà. Ah, j'ai jeté les piments ou quoi? Non, mais je les garde, mais je sais même pas pourquoi. C'est comme les foies de félin. Morceaux de viande, hop, ça dégage. Ça faut le vendre, celle de Bromure. Oh, ah voilà, à moins 12. Bah écoute, hein. La donnée aussi, ça dégage. Et est-ce que je peux t'acheter? Ah oui, des câblages, j'en ai pas beaucoup moi. J'en ai 3. Je vais en acheter un de plus.
Voilà, ça m'en fait 4, c'est pas mal. Dioxyde, non. Tritium, j'en avais pas. Je vais jeter les 1500. 37, ammoniac, paraffinum, non, c'est bon. J'ai relancé une mission. C'est quoi cette fois? La faune. Ouais. J'espère que c'est dans ce système-là. Quoi qu'il serait temps de revenir au système précédent quand même. Hein. Planète Tauride. Hop, je vais lancer ça déjà. Hop. Alors. Un pilier. Non. Bulbe d'étoile, découvert. Bulbe d'étoile, cube, paraffinum, ferrite, sentinelle agressive. Planète à pilier, je suis con. Planète à pilier, j'ai. Faut que je découvre des créatures sur les planètes dites. Dites. Des planètes comment? Étrange qu'ils ont dit. Ouais, faut que je découvre encore une créature étrange. Combien d'ailleurs? Non, marécageux. Je le tente. Oh! J'en fais des caisses, hein. C'est passé. Un pilier, non, non, j'en ai pas besoin. Ouais. Bon, elle est sympa en plus la bébête. Une bébête cristaux. Qui fait un bruit spécial. Ouais, deux jours elle est jeune aussi. Bah, elle est belle. Hein. Mais je l'adopterai pas, je me vois pas me faire suivre par des cristaux en permanence quoi. En plus, à tous les coups, elle a ses règles, elle aussi. Ah, impossible d'adopter, mais c'est pas grave, ça. Bon, je l'ai découverte ou pas? C'est bon? Mais comment ça? Une sur cinq? Non, bah non, non, non. Je viens d'en trouver une, là. Regardez. Hop. Merci.
Ouh, sacrée lumière. Ça pop. Putain, on voit rien. Ah, j'ai réagi trop tard. Quel con. Putain, les mini Z-Wing sur le transporteur, quoi. Ça galope, ça, dis donc. Ah, mais c'est derrière. Oh putain, c'est loin. Oh, t'as intérêt à être sympa parce que j'en ai fait du... Sérieusement. Putain, mais c'est toi que j'ai... Oh là là. Je me suis bien fait avoir. Magnifique. Un Viper, je vais pas pouvoir monter. Un Viper droïde, ah non, putain, un Viper avec ses fameuses ailes inversées là. Beaucoup trop, putain. Ah, j'étais pile à la bonne distance. Tant pis.
J'adore ces putains d'ailes inversées, je connais jamais le nom, c'est chiant. Parce que je l'ai jamais vu en fait. Enfin, je crois pas. Star Jumper. Non, je vois pas comment elle s'appelle cette putain d'aile. Type horizon alors. Type horizon, mais pas avec les modules de turbine. Ok. Ah, y a moyen. Hop là. Putain. T'étais là, tu te cachais, hein. Oh, j'hallucine. Quelle couleur. Encore vert. Putain, décidément, je suis abonné. Mais c'est pas grave, je t'ai quand même chopé pour la photo, mon gars. T'as cru que t'allais m'échapper. On se joue pas de moi si facilement. Ouais, t'es plutôt très mignon en plus. Ouais. Ah putain, oui, c'est hyper stylé. Ces deux propulseurs bien carrés là, autour d'un single thruster. Ça a la gueule. Très stylé. Surtout avec un baril. Ouais, franchement, on peut pas dire que t'as pas de gueule, toi. Putain. Là, pour une fois, les deux flingues, les deux pistolets, ils sont bien. Putain, en plus, ils sont mis en valeur par les adhésifs, là. Numéro 6. Ouais, bah t'es bien cool. Couleur de merde, mais t'es bien cool. Allez, Cassos. C'est où Cassos? C'est là-bas. Mission. Ça y est, je suis fatigué, faut que je check à chaque fois. Oui, alors ça c'est bien cool que je l'ai fait, mais sinon, guide d'exploration, non, mais j'ai pas fait en fait, d'accord, oui, mais c'est dans, voilà, m'amène ailleurs, ouais, d'accord, bah, du coup, je vais regarder toutes les planètes quand même avant de partir, Tauride, oh putain, il y en a beaucoup derrière là, la lune verte, non, pas d'intérêt. Pillée, je l'ai faite, celle qui est derrière, je l'ai faite. Et là. Ah, nucléaire en déc. Ah, putain, en plus, c'est une base, ça m'étonnerait pas ça. Ça se tente pour la radioactive, ça. Et la tauride, oui. C'était 24 heures, j'ai pas joué tout ça moi. J'ai dû halluciner, ça devait être 21. Je vais aller directement à la base. Truc à faire. Oh, mais attends, cette petite plume là, j'ai checké quand même, oui. Oui, d'accord. Oui, je l'ai checké, allez, ça va.
Dépôt d'uranium. Ça ressemble beaucoup à la petite base qu'on avait déjà vue il y a 2 jours. J'imagine qu'elle se ressemble tout un peu. Ok, bah c'est rigolo. Nucléidique, ça marche pas? Atomie suspecte. Non, ça marche pas pour la. Pour la radioactive? Si. Ouais, bah super. Bien content. Ah non, il est plus gros que ce que je croyais. Non, mais sans déconner, ouais, je t'adopte de suite. Ah quoi? Oh putain. Oh non. C'est possible ça? Oh merde. 500. Bim. Oh putain, il me fait des loopings. Route. Bah, t'es trop stylé en vrai, t'es mignon et horrible à la fois, quoi. T'es mignon et horrible à la fois. Je sais pas trop comment c'est possible. T'es exceptionnel. J'ai envie de t'appeler. T'es une chimère un peu, toi. T'es une chimère, je vais t'appeler Chichi. Voilà. Oh les. Roto, c'est très mignon, mais je vais t'appeler Chichi. Qu'est-ce qu'il est mignon? Pour l'instant, je t'appelle Chichi, mais. T'es vraiment chelou. Putain, je t'imagine en énorme, quoi. Oh. Je vais te prendre en photo, toi. Si un jour j'ai l'énergie de faire des trucs complètement cons, je viendrai te chercher et je te modifierai génétiquement pour que tu deviennes énorme. Ah, c'est screené. T'es bien rigolo, toi. Oublie. Bon. Qu'est-ce que c'est qui bougeait là? Ah, d'accord. Ah, une herbe. J'ai rempli une étape, hein, moi je dirais.
étape. Adopter 3 compagnons. Ah oui, non, 2 sur 3, oui, autant pour moi. Chichi, j'y vais. Oui, bah tu vas me rejoindre. Toi et moi, on est liés. Alors, elle est où? Elle est juste à côté. Ok, ça tombe bien. Oh putain, une étoile viking. Allez, je fais ça, je rends la mission. Deux planètes, deux lunes. Lune morne, pièce récupérable. Lune morne, c'est-à-dire, allez go, vite. Morne, ça veut pas dire sans air. Allez, PS5, tu me donnes tout ce que t'as. Sable sec. Aucun rapport. Non, il y a de l'air ici. Il y avait du piment aussi. Incandescente. Site de sondage floral. Ah, d'accord, c'est ici qu'il faut que je me rende. Où ça exactement? Elle est où la mission? C'est quoi cette connerie? Ok, c'était cette planète là et l'icône s'affichait plus. Je vois rien. Oh, bon, je vais à la station et je reviens. Récupérer la récompense, mais j'avais dit que j'ai pas envie moi. La surcharge de 300 secondes. À tous les coups, c'est un truc qui se fait tout seul, non? En plus, il y a les feux d'artifice avec, non? Eh oui. Oh putain, ça je le ferai en dernier. Non, c'est pas ça. C'est... ça. Je m'approche du voyageur égaré, sa peau est translucide comme s'il n'était pas réellement présent. Comme d'hab, irrévocablement corrompu, 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 prenez s'il vous plaît dernière preuve de notre existence que l'étrange créature essaie de me donner quelque chose. Je ne sais pas ce que c'est, mais il m'est impossible de le toucher ou de le voir clairement. La créature se met à pleurer de désespoir face à son imminente disparition. L'espace d'un instant, j'aperçois un univers complètement différent de tout ce que j'ai connu. Pas rester jusqu'à la fin, ouais. Une vie et un univers disparaissent dans une explosion blanche, mais la forme de vie est toujours là. Il ne semble pas savoir ce qu'il vient de se passer. Alors que je m'apprête à partir, il me demande si j'ai reçu des signaux inquiétants. Il a peur que son monde soit en danger.
Wow. Bobo. J'ai eu un flash, quoi. Je suis un médium. Je suis à deux doigts de lui sortir mon tarot, quoi. Comment il s'appelait? Oh putain. Ebend. Oh. Oui, je sais, c'est beaucoup. Le code couleur, le code couleur, le pénitent, le passe. Visage bleu? Putain. Non, non, non. Par contre, bon délire. Des insertions métalliques dans la gueule. Oh putain, toi t'es moche. Pardon. Je sais pas si ça a marché. Quoi? Ok. Je suis pas assez proche.
Ouais, t'es mignon, ouais. Je vais pas scanner tout de suite. Voilà, je dois être dans la zone là maintenant. Ah, oh, mais dites pas que je suis si loin que ça, quoi. Il y a ton cousin en vert, c'est marrant. Ça. Je suis au bon endroit ou pas? Oh, un caca culotte, en mode chien. Tu me dégoûtes. Non, même pas de la... même pas en rêve. Ah oui, merci.
pas de bras. Sympa celui-là, ça m'emmerde de partir finalement. C'est le même, mais c'est pas ça que j'attends. Ah putain, non. Ouais, mais pas ce genre d'aile, quoi. Pas dégueu, hein. Putain, il ressemble aux montagnes derrière. Loul. Je vais sauvegarder là, je pense. Ça me paraît pas mal. Oh bordel. Sur ce, merci à tous d'être passés. J'ai passé une super session. J'ai trouvé très agréable. Encore l'ami Cario qui a animé tout ça. Bounty qui est encore repassé. C'était bien cool. Et mon viewer fantôme. Je te remercie d'être passé aussi. Et bah voilà, puis je vous dis peut-être à demain.